Dans cette vidéo, je vais te partager une technique qui va te permettre de transformer ton compte bonus en compte principal. Je suis sûr que cela fatigue plusieurs de mes abonnés et ça fatigue aussi plusieurs personnes, même ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. C'est une technique qui va marcher pour vous. Ceux qui vont bien suivre la vidéo, la technique là, ça va marcher à 100% pour vous. Puisque moi-même, j'ai expérimenté la technique et ça marche à 100%. Donc, pour tous ceux qui ont du mal à transformer leur compte bonus en compte principal, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater toutes les informations que je vais donner. Ok, donc si ce n'est pas déjà fait, tu peux toujours prendre le temps de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc bien avant de continuer, je vais t'expliquer un peu à quoi sert un code promo. Donc, il y a plusieurs genres de codes promo, il y a plusieurs sortes de codes promo, mais je ne connais pas l'avantage des codes promo des autres. Mais ici, sur ma chaîne, je vais te dire un peu les avantages de mon code promo avant de pouvoir te donner l'astuce qui va te permettre de transformer le bonus que tu vas générer en compte principal. Donc, le code promo, c'est juste quelques lettres ou je ne sais pas quelques chiffres donc que tu vas utiliser à ton inscription d'un nouveau compte. Ok, donc moi mon nouveau code promo c'est 24AB et ce code promo là a comme avantage d'avoir 200% de bonus au premier rechargement. Non seulement tu vas avoir 200% de bonus au premier rechargement, tu auras ensuite à 100% de bonus les lundis et puis les vendredis. Ok, donc après cela, tu auras jusqu'à 45% de remboursement sur tes pertes allant de 10$ à 15$. Okay? Quand tu vas perdre, quand tes pertes sont de 10 à 20$, tu auras jusqu'à 45% de remboursement. Ça, c'est l'avantage de moi, mon code promo. Je ne sais pas pour les autres. Ok. Donc maintenant, je vais te montrer un peu comment transformer le bonus que tu vas gagner après ton inscription avec moi, mon code promo. Donc pour savoir, les comptes bonus peuvent être utilisés, mais il y a quelques conditions d'abord. Donc, ce sont ces conditions là que je vais te partager. Donc, si ce n'est pas encore fait, prends le temps de liker cette vidéo. Je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Après ton premier rechargement, ici d'abord, pour pouvoir mettre le compte bonus en compte principal, pour pouvoir jouer avec le compte principal, ce que tu vas faire, tu vas d'abord venir dans la section menu qui est juste là. Donc, une fois que tu es dans la section menu, tu vas venir maintenant cliquer sur ton icône juste ici. Ok. Une fois que tu as cliqué ici, ton compte bonus va s'afficher. Donc vous voyez ici, c'est sur mon compte principal. Ici actuellement sur mon compte, j'ai pas encore de code bonus parce que je l'ai tout transformé en compte principal. Donc je vais t'expliquer le processus. Donc ici, quand tu auras deux comptes ici, quand tu vas t'inscrire pour la première fois, donc tu auras compte principal qui sera en haut ici et en bas, tu auras compte bonus. Donc ce que tu vas faire, tu vas juste cliquer sur le petit point qui est juste ici sur le compte bonus. Ok, donc une fois que tu vas avoir compte bonus, tu cliques sur le petit point. Donc ton compte bonus sera automatiquement disponible pour jouer. Donc c'est pas tout. Même si ton compte bonus est disponible pour jouer, il y a des critères à respecter. Donc pour pouvoir placer un coupon avec le compte bonus, il faudra que l'événement soit de au moins 1,4 ou plus. Ok, donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ici, quand tu vas mettre ton compte bonus actif, donc la première des choses avec l'astuce qui marche à 100% avec ce genre d'événement là, donc ce que tu vas faire, tu vas venir cliquer sur football ici. Ok, donc une fois que tu as cliqué sur football, nous allons aller dans Paris Sportif. Je vais rafraîchir un peu la page et ici je vais venir cliquer sur 24 heures. Ça, ce sont tous les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Suis attentivement cette vidéo, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Donc ici je vais cliquer sur Angleterre. Après avoir cliqué sur Angleterre, ici je vais voir les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Donc je prends Coupe d'Angleterre. Ok, donc une fois que vous vous retrouvez face à ce genre de situation, ce que vous allez remarquer d'abord, la première des choses à remarquer, c'est les V. Ok, ici tu vois V1 c'est cote 2 et V2 c'est cote 2. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce match. Ça veut dire que ce match il sera un peu serré. Donc ici, avant de placer le pari, tu vas d'abord regarder les derniers matchs des deux équipes, la toute dernière confrontation. Donc je clique sur les trois barres, je clique sur statistiques. Je clique sur statistiques et les deux équipes ont déjà un carton rouge chacun. Donc ce qui fait un avantage. Donc ici je vais juste défiler. Prends le temps de t'abonner mon gars. Abonne-toi et like la vidéo. Ça m'encourage énormément. Donc ici,
leur dernier match, ils ont eu à faire 0-1. Donc il y a eu 1-0 dans leur dernier match. Donc on s'en fout du reste. On va se baser sur ce résultat. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez juste défiler comme ça. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir placer le coupon avec le compte bonus, il faudra que la cote soit de au moins 1,4. Donc ici, on va cliquer sur nul dans au moins une mi-temps. Ok. Une fois qu'on a cliqué sur nul dans au moins une mi-temps, ici, vous allez cliquer sur l'option oui. Mais c'est pas tout. Une fois que vous cliquez sur l'option oui, vous l'ajoutez au coupon de Paris. Et vous faites exactement ce que je viens de montrer avec deux matchs encore, deux matchs supplémentaires. Et vous l'ajoutez au coupon de Paris. Donc ça va vous faire trois matchs comme ça. Donc avec ces trois matchs là, ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer sur coupon. Une fois que vous avez cliqué sur coupon, donc ici, quand vous allez placer votre mise, donc automatiquement votre compte sera sur compte bonus. Donc ça veut dire que c'est avec votre compte bonus que vous allez placer. Donc vous allez, là, vous pouvez placer la moitié ou la totalité du bonus et ensuite vous lancez le pari. Et si ce pari là est validé, donc tu vas refaire une deuxième fois. Et si c'est validé, maintenant tu refais une troisième fois. Et si le troisième coupon est validé, ton compte bonus, il sera directement envoyé vers ton compte principal. Tu vas voir que c'est très simple si tu suis les instructions. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a aidé, lâche-moi un like, partage énormément et à ciao pour une toute nouvelle vidéo.